Salut les stations fréquences, et c'est parti pour le QSO national section sud-ouest du canal 27. Donc il est 21h, les bonnes sur 13:51 à vous de la part de Dindy 33. Alors vu les news sur le chat du web SDR, je ne sais pas s'il y aura du grand monde ce soir. Et s'il n'y a personne, eh bien, ça sera plateau télé. Alors 14 ODR 860, eh bien, bon courage pour ce soir, H3CO. Donc pour ceux qui ne voient pas le chat du WebSDR, là c'est vos parents à dîner là ce soir. Et les pizzas, alors c'était à quelle heure? Ils n'étaient pas encore livrés. Ah oui, il y a une demi-heure de ça, les pizzas n'étaient pas livrées. Donc là, ils viennent juste de commencer à manger et tout. Ok, c'est réglé, ce soir il sera pas là. Les 73-14 Echo Delta 040, le Jura qui me suit. Merci de ta présence. La Suisse, tu es en retard. Les bonnes, les bonnes 73, la Suisse, si tu es là, derrière la porte. Attention Eric, est-ce que tu es là ce soir? Oui, 73 Rémi, je viens d'arriver là. J'espère que tu vas bien et puis salut à tous les écouteurs qui sont à l'écoute avec nous. Voilà. Ok, et eh bien d'ici que le QSO soit que tous les deux, ça n'est pas loin. Quoique là, les 73 Eric, putain quel mal poli je suis. Hein. j'ai entendu quelqu'un se signaler, mais c'était très 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 QRP là derrière. Je ne l'ai même pas entendu dans le web SDR d'ailleurs. Bon, ben, on verra bien. Hein. Sinon, ben, on va se faire un petit QSO comme ça, là, vite fait, sympa, là, tous les deux. Et puis, dès qu'on a envie de couper, eh bien, on coupera, et puis ça sera la suite devant la télé, et puis voilà. Hein. Ouais, ben, on verra bien, hein. Voilà. Écoute, je sais pas quoi te dire de plus, c'est vrai que c'est on verra bien. Bon, à part ça, la journée s'est bien passée. La journée de pro, oui. Et en plus, t'as vu cet après-midi, là, il s'est mis à pleuvoir et tout. Hein. C'est bon, c'était annoncé, hein, de toute façon. Ouais, c'est vrai que ça. C'est déjà le vent de carré encore, là, ça va, il fait bon. Parce que je pense que d'ici quelques temps, on va avoir un peu plus de frais. Ouais, surtout que du côté du Québec, ils commencent à se préparer. Hein. Là, ils sont en train de, ce week-end, de déplier les feuilles mortes. Parce que là, après ça, ils vont avoir la pluie qui va arriver. Ça va partir en pluie verglaçante. Et puis, bon, bah, la suite, tu la devines. T'as eu des nouvelles de Gilles sinon, parce que j'ai vu sur Facebook là, j'ai vu qu'il est en pleine musculation. Putain, comme s'il en avait besoin quand vu le gabarit. Ouais. Mais t'as là pour le coup, il nous met une baffe, c'est bon, il nous arrache la tête. Ah ben apparemment il a perdu pas mal de poids, voilà, et c'est ce que j'ai vu. Ouais, j'ai vu ça. Justement, je lui ai dit comme ça, maigris pas trop parce que tu risques de t'envoler après. C'est ce que je lui ai dit, moi aussi. Je lui ai dit, attention, gardez vos poules, le coq est lâché. Ah, où est la station d'avant? Oui, j'ai entendu quelqu'un se signaler, là, très très QRP, là, avec les bandes 73, là, du QSO, c'est que du canal 27, section sud-ouest. Ah, c'est retrouvé, là, on doit avoir quelques petits filets de propag comme ça, là, qui nous arrivent. Et puis voilà, quoi. Ouais, non, mais autrement, c'est vrai que, t'as, puis il va en salle et tout, c'est du sérieux, là. Ça, ouais. Bon, bah,
qu'on va laisser un petit blanc, mais il faut qu'il y aurait des stations derrière qui voudraient se manifester. Alors, on va laisser un blanc. Allez-y, les stations. Ça, c'est fait. Ah, oui. Oui, j'ai entendu quelque chose. Les 73, la station. Ouais, j'ai encore dû me faire avoir avec un petit coup de propague, là, à tous les coups. Parce que là, dans le casque, j'entends rien, là, c'est sur le poste, là, que j'entends ça, quoi. Ouais, parce que moi, j'écoute des deux côtés, mais j'entends pas la chose parfois. Bon, est-ce que tu as des nouvelles de Claudie? Est-ce qu'il est bien rentré? Oui, oui, je l'ai eu ce matin, fin de matinée. Voilà, j'étais en train de charger la vidéo d'hier soir là, sur Internet, et en même temps j'étais en discussion avec lui là, sur Facebook. Ok, ok. Bon, Xavier, Fredo, bon Ludo, je pense qu'il est à repas. Mais Fredo, on t'entend plus, qu'est-ce que tu deviens? Tu es à l'écoute, mais il faut prendre le micro. J'entends quelqu'un derrière dans le casque. Oui, la station, allez-y. Oui, 73, j'ai pas compris le prénom. Oui, la station, revenez avec votre prénom, l'opérateur, j'ai pas reçu. Ah, j'ai pas compris le prénom, il est calé. Rémi, tu as reçu toi? Alors, je suis en train de m'enfoncer le casque dans l'oreille. Je me demande si c'est pas Doudou, des fois, là, qui serait là. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment très QRP. Hein. C'est toi, Doudou? Ok, aussi que tu es là. Désolé, Dodo, mais là, je te comprends pas. Non, là, ça sort pas ce soir. Si t'es à Saint-Magne, pourtant, t'es pas loin de chez moi, je devrais t'entendre. Hein. Ok, vas-y, Rémi. Ok, je l'attrape correctement sur le 27 275.400. Ouais, je suis obligé de grimper là aussi haut pour arriver à l'attraper correctement, tu vois. Hein. Alors, les 73, Doudou, effectivement, c'est pas épais. Hein. Je sais pas si tu es tourné là comme d'habitude, là, au niveau de 1000 pattes, mais c'est vraiment pas épais du tout. Hein. Peut-être que tout à l'heure c'était toi que j'entendais là déjà là, non? Parce que c'était à peu près la même force de signal. C'était lien négatif. Ah toi, il m'entend même pas. Hein. Ouais Loulou, c'est toi tout à l'heure qui aurais mis l'entendu peut-être. Pour le pro, ça s'est bien passé. Ouais. Demain, j'aurai un petit peu plus de boulot. Ouais, non, mais ça se trouve, son poste, il doit être froid. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a un tel décalage. Hein.
De toute façon, de mon côté, je jonglais au niveau du clarifieur, et puis voilà. Hier, je saute du coq à l'âne. On a parlé des boutiques de proximité, là, comme le centre auto là, de Saint-Médard, un truc comme ça. Eh bien, derrière, là, sur le web SDR, on doit avoir un Anglais là, qui doit être là, qui est en train de nous écouter et peut-être même en train d'essayer de nous avoir en fréquence. Alors, hier soir, il était là, c'est sûr, et du coup, il m'a donné le nom d'une boutique en ligne là, de ce côté, là-bas en Angleterre, alors qui s'appelle... je vais essayer de le prononcer correctement, ça, c'est pas gagné, ça. Alors, Knife Electrocom. Voilà, alors l'adresse est le lien internet, alors www.kcb.co.uk. Voilà, alors www.kilocharliebravo.charlieoscar.uniforme-kilo. Voilà pour le site là qui le magasin qui m'a envoyé. Et bon, tu trouveras j'ai partagé ça sur le forum et sur le groupe Facebook avec. Hein. Et il y a de quoi voir dessus. Hein. C'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu comme ça là, ailleurs là, ce qui se passe. Mais tout à fait, ouais, mais tu me partageras sur le forum, donc c'est applicable, ouais. Par contre, j'ai été voir là, ce que tu nous as essayé de nous dire hier pour le 14. J'ai été voir sur le forum, mais j'ai rien trouvé par rapport à ça. Hein. Je ne sais pas où tu as mis tout ça. Pour le 14. Ah oui, non. Ah si, non, j'ai rien mis là de mon côté. C'est sur le forum. Alors attends que je l'affiche là à l'écran. Voilà, Blue Forum. Voilà, c'est directement sur leur forum, Blue Forum. Alors l'adresse, www.radio-dx44.com. Voilà pour le lien de leur forum. Et c'est dessus qu'il y a un truc en préparation là pour le 14. Ah ouais, mais j'avais pu chercher hein, parce que j'ai rien trouvé. Donc, mais tu auras qu'à le mettre sur ton forum tout ça, parce que si tu le mets pas, on ne peut pas le deviner. D'où l'intérêt du QSO, justement, pour passer les infos à Hachi. Ouais, mais alors, tu me passes les infos depuis tout à l'heure, j'ai rien à côté de moi pour noter, j'ai rien marqué, donc j'irai voir sur le forum, il faudrait que tu mettes les liens. Alors, je crois que sur Facebook, ils ont déjà fait un partage. Bon, Marc, ça poste tellement sur le groupe qu'il doit être rendu à 1 km déjà, leur truc. Faudra que j'aille voir sur leur groupe Blue Forum là sur Facebook que je rebalance le partage. Ouais, parce que j'ai toujours pas compris ce que c'était. Ah, je vais pas tout dire là de suite. On est que le 4, donc on a encore un week-end à passer au niveau du QSO du canal 27. Ah, pendant que j'y pense, d'après ce que j'ai vu, vendredi soir prochain, je suis au pro. Par contre, samedi soir prochain, pour moi, c'est bon, je serai dans le QSO. Ok, mais il n'y a pas de souci. Mais écoute, le boulot en priorité, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Bon, mais apparemment, je crois qu'on est que tous les deux. Hein, voilà. Donc, Michel, on n'entend plus. Fredo, on n'entend plus. Xav, on n'entend plus. Eh bien, c'est le QSO du Mont-Rivard. Ouais, j'ai essayé de clarifier vite fait. Il y a Doudou là derrière qui a repris le micro, mais bon, j'ai pas eu le temps de c'est tellement QRP là ce soir de son côté. Au secours. Donc en plus il est hyper décalé, alors si je me décale d'un côté je t'entends plus de l'autre, à toi c'est pas évident. Hein. Eh bien c'est pas compliqué, on passe tous les deux sur le 27 275.400. Oui, mais si on est qui nous appelle, on va rien comprendre.
Eh bien, ils font comme nous. Doudou, lui, il, visiblement, n'arrive pas à se recaler comme il faut. Nous, on a l'avantage de pouvoir faire ce que l'on veut à ce niveau-là. Donc, la moindre des choses, c'est que, bon, ben, si lui, il peut pas, nous, on peut, on se met sur sa fréquence. Et puis les autres stations qui arriveront feront, feront de même, et puis voilà. Ok, mais on va parler. Parle, Doudou, quand t'écoutes, parce que j'ai pas compris la fréquence. Alors 27 275.400 ou point 40 comme tu veux. Voilà. Là je suis en plein. Ah oui putain la vache, ça me fait une voix de canard là dans, dans le casque. Donc là je suis en plein sur la, la fréquence de Doudou. Ok, voilà. Je remonte. C'est bon. Ok, voilà. Retour de micro à toi, Doudou. Et il m'entend pas ce soir, tu vois. Remonte, monte en fréquence, monte sur le 27 275.400, Eric. Ouais, ok. Voilà, là tu dois, là ça doit être bon là maintenant. Hein. Ok, j'y suis là. Ok, vas-y Doudou. Oui. Ce qu'on a fait dans un sens, lui, il l'a fait dans l'autre. Ah, là, je t'entends, oui, c'est bon, là. Mais toi, je suis plus rien, là. Ah, ben, on s'est mis sur le 275.4, donc, ça va un peu mieux, là, oui. Bon, mais ça, si le, la route s'est bien passée, c'est impeccable. C'est essentiel. Allez, à toi, Rémi. Ok, les 73 14 Echo Delta 590, là, voilà, qui nous envoie là, le petit bonjour là sur le chat. Ouais, les stations, ils ont intérêt de se recaler parce qu'ils vont pas nous comprendre. Hein. Mais je parle pour le SDR, là, s'ils nous écoutent, ils vont nous entendre parler à les petits canards. Hein. Ok, bon, on revient en position normale, ok, c'était de se caler sur nous. Allez, on redescend sur le 275.00, Rémi. Ok, ça marche. Hop là, voilà, j'ai juste eu le temps de recaler là, le web SDR, c'est bon. Bon, Doudou, je vais parler pour que te laisser le temps de te caler sur moi. Et puis tu vas voilà, essayer de régler tout ça, voilà, donc... Remodule, remodule, je suis remodule, je suis nul. Allez, est-ce que c'est bon, Doudou?
petit peu encore. Non, c'est pas bon, c'est dans l'autre sens qu'il faut qu'il tourne. Voilà, je disais que c'était dans l'autre sens qu'il fallait tourner, mais là ça a l'air d'aller un peu mieux. Pour moi, c'est pas trop mal, ouais, c'est bon là, reste comme ça. Allez, vas-y, Rémi. Ouais, je l'ai suivi dans le casque, ouais, c'est pareil. Hein. Là, ça serait nickel. Et je pense qu'il doit avoir du QRM de son côté, parce qu'il n'a pas l'air de m'entendre. Tiens. Je vous disais, il a des QRM dodo de son côté, ouais. Pour info, j'ai entendu Daniel tout à l'heure. Daniel Santor, il n'a pas modulé longtemps. Il arrive des courses, il était en train de charger des courses. Aïe, aïe. Ouais, Doudou, je t'ai entendu aussi. J'ai répondu un moment tout à l'heure, mais c'était vraiment QRP. Hein. J'ai entendu quelqu'un là, quelqu'un d'autre. Ouais, la station qui s'est signalée, à moins que ce soit un petit coup de propag, en avant là, pour le QSO là du sud-ouest. Ceci, ça parle un petit peu, mais c'est vraiment beaucoup trop QRP pour sortir quoi que ce soit. Il y a un ON qui parle derrière. Ça j'ai reconnu. Ouais. Bon, je crois que j'ai compris. C'est un QSO parallèle. De mon côté, moi, c'est j'entends rien. Hein. Ouais, je l'ai entendu dans le casque, il n'a rien de son côté non plus. Heureusement que j'ai la caméra qui tourne, parce que là, pour le coup, je ne serais pas crédible, moi, là. Je suis trois coups. C'est pas la première fois que ça fait le coup. Hein. J'entends des stations là de mon côté. Je suis le seul à entendre. Hachi. Et pourtant, je suis là dans un trou en plus. Non, mais ça, c'est encore. C'est une histoire de couloir, ça. Hein. C'est ça, les alias de la radio. T'as vu, regarde, le zoo, lui, est emmerdé avec son voisin, le CPL, là, tu vois. Et puis moi, depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de merde. Et t'es pas toujours les mêmes. Mais ouais, mais c'est comme ça. Hein. Et c'est demain, tu peux avoir un voisin ou une perturbation ou quelque chose qui fait que ça brouille un peu, mais là, bon, apparemment. Putain, pour le coup, je coupe les fils là. C'est le moment de prendre le micro si vous voulez participer au QSO national. On vous écoute. Ouais, bon, c'est calme. Puis c'est vrai que moi, c'est pareil, j'ai pas spécialement de bagou ce soir. Tu m'étonnes, debout depuis 5 heures ce matin, ça calme un petit peu, quoi. Mais ouais, c'est dommage, c'est pas grand monde, quoi. Je pense qu'on va tous faire pareil ce soir, là. On va aller se coucher un petit peu plus tôt. Ouais, non, mais je le sentais bien, de toute façon, là, dès le début. Hein.
Là, j'ai vu le message de Ludovic. Bon, ok, on sait que là, c'est sûr, c'est pas possible de son côté. Moi, depuis 5 heures ce matin debout, que je suis debout, c'est vrai que là, je suis un petit peu calmé aussi. La tour de contrôle, Michel, eh bien, je sais pas. Voilà, pas de news, pas de nouvelles. Tu sais ce qu'on dit, hein, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hachi. Non, j'espère que tout va bien de son côté, quoi. Voilà, quand même. Et puis bon, ben. Ouais, non, mais c'est vrai que là, on va pas continuer à tourner en rond comme ça. Si les uns les autres on n'a rien à dire, ça risque d'être d'un seul coup beaucoup plus silencieux la suite du QSO. Hachi. Salut.